La trousse à pharmacie. Le plus important, d'abord, ne jamais oublier vos traitements, c'est la base. Vos traitements avant toute chose. Si vous souffrez d'une maladie chronique, du diabète ou d'hypertension artérielle ou de la thyroïde, la première chose, c'est d'avoir votre stock de médicaments. Je ne partais jamais dans un pays à l'étranger en vous disant je le prendrai là-bas. Non. Ça ne vraiment pas faire du tout parce que, comme je vous ai dit, dans certains pays, en fait, certaines équivalences n'existent pas, premièrement. Deuxièmement, vous ne savez même pas combien ça va vous coûter. Troisièmement, si vous n'avez pas d'ordonnance, ça va être très, 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 très compliqué pour les médicaments dont une ordonnance est utile. Donc, vraiment, dans votre trousse à pharmacie, la première chose, c'est vos traitements à vous. Donc, vous mettez vos traitements, vos médicaments pour la durée, même plus, carrément. Que celle que vous avez prise. Si vous avez prévu de partir pour 2 semaines, mettez pour 4 semaines de médicaments parce qu'on ne sait jamais si des fois il se passe au rate un vol, des fois il se passe des choses que peut-être vous allez devoir rester plus sur place ou même aller ailleurs. Donc très important d'avoir au moins un mois de traitement avec vous, même si vous partez pour 2 semaines. Si vous